Nous voilà rendus à l'étape en fait du fauchage en dainage. Bon là, comme vous voyez, vu la mauvaise herbe, ça peut pas passer directement dans ma petite machine. C'est surtout l'espèce de scarole, beaucoup de kénopodes, comme ça a été conduit en bio en fait, et qu'on n'a pas, comme c'est semé à la volée, je pouvais pas détruire les kénopodes qu'on ait après. Vous verrez tout à l'heure, j'avais fait une vidéo un peu plus tôt dans la saison où c'était pas trop sale encore. Mais là, on peut voir quand même. On est très tôt le matin parce que en fait c'est des gousses là, c'est comme des silics de colza. Même là, je viens de l'ouvrir assez facilement, même si c'est humide. Et on va faire ça à la bonne vieille faux. Nous on appelle ça un die. C'est avec les deux manches là pour tenir les mains. Je vais vous faire quelques prises de vue de mon travail. Et on passera ça au fur et à mesure pour que ça batte. Parce qu'il y a quand même 700 mètres carrés. J'ai pas envie de faire ça à la main. Alors je vais utiliser la petite 321. Vous voyez, elle est sans cabine. La barre de coupe, elle fait 3 mètres. Et c'est la première fois en fait que je l'ai conduit cette année dans le fenugrec. Vous allez voir une petite erreur de débutant. Bon, ça peut arriver quand même aux professionnels. Hein. Vous allez tout de suite comprendre. Là, au moment où je vous montre les images, là, je suis en train de débourrer la coupe. En fait, j'ai voulu essayer dans une partie non fauchée, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec la faux. Parce que j'en ai fait 250 mètres carrés. Je peux vous dire, j'en avais assez. Les autres. Il y en avait environ encore 350 à faire. Mais vu le liseron qu'il y avait dedans, et vous voyez là dans la coupe, ça va très mal. On est obligé de... Ça s'est enroulé dans le vis d'alimentation. Et bon, ça, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas bourré après dans le batteur. Parce que dans le batteur, c'est encore plus compliqué que quand c'est dans la coupe. Voilà ce que ça donne à peu près. Bon, ça fait un peu de sport. Bon, vous voyez, il y a quelques pertes quand même. C'est pour ça que je le fais le matin.
ça fait comme une bonne marche sportive, hein. Je vous garantis que comme c'est couché en travers, j'avais essayé dans l'autre sens, mais c'est crève-saut. Vous voyez, il y a quand même, je sais pas ce que je vais sortir, on verra la machine, mais il y a quand même pas mal de gousses, même si je vais avoir des pertes. Ce qui va être pénible, c'est toutes les herbes là, faut que ça sèche. Et vous voyez les graines de fenugrec, c'est comme ça. Et je peux pas vous faire sentir l'odeur, mais c'est un goût épicé. Pour l'alimentation humaine, ça marche bien. Mais là, moi, c'est pour couvert et prévoir les colzas futurs, pas cette année, mais l'année d'après. C'est ce qui m'avait sauvé ma culture de colza, même si elle a fait que 18 quintaux cette année. Les rendements étaient sauvés quand même, moindre mal par rapport aux altises. Pour faire un bilan du fenugrec, là, vous voyez dans le sac, là, il y a 18 kilos sur 250 mètres carrés. C'est pas énorme, mais c'est une plante quand même qui me servira pour mes couverts colza et couverts dans les champs.